Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à My Little Pony et attention, on a beaucoup de poneys aujourd'hui, oui beaucoup beaucoup, j'ai beaucoup fait de musique et c'est un truc de malade. Allez, c'est parti. Voilà les gars, hop, on a le prince niveau 5 les gars. Et c'est qui le BG? C'est Bibi. Oh, c'est un truc de malade, j'ai fait que ça pendant... Laisse tomber, je suis un grand malade. Donc du coup, je tenais quand même à faire mon intro. En démarrant le jeu, hein, c'était mieux que faire l'intro directement ici. Donc du coup, voilà, je fais une mini intro en démarrant le jeu, tranquille. Et puis voilà. Donc du coup, on a le cher prince niveau 5. Et ça, c'est magnifique. Et attention les gars, j'ai eu, bah à la base, donc tu vois, j'ai fait des trucs de musique pour gagner des poneys. Et en même temps, je faisais aussi pour farmer les... ces trucs-là, là. Pour farmer les cœurs. Pour pouvoir acheter justement... le poney qui nous manquait, donc le père de Twilight. Seulement, en les farmant, et ben justement, en gagnant des poneys, j'ai gagné parmi les lots, j'ai gagné celui-là. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai joué aussi un peu au ballon, et j'ai gagné deux poneys, mais genre, j'ai joué quoi? Allez, 3, 4 fois, je crois, grand max, et j'ai gagné deux poneys, les gars. C'était un truc de ouf. Franchement, j'ai gagné un max de choses. C'était super génial. Donc comme je vous avais dit, j'ai farmé les 95 gemmes pour acheter les deux poneys ici. Donc vous voyez à quel point, là franchement, j'ai fait le grand malade. Max de trucs de partout, c'est un truc de fou. Bah on va, à la limite on va les acheter, au moins c'est fait. Putain voilà, allez hop, un poney, un deuxième. Et voilà, on a acheté tous les poneys de... comment ça s'appelle, de... Canterlot, ouais c'est Canterlot. Ok, normalement. Ouais ça doit être ça, bon. Du coup, là il y a le poney, tout ça. On va accueillir. Bon, on va accueillir elle déjà. Elle est où? Ah là. Ok, hop. Elle traverse Twilight, tranquille. Hop, ça c'est fait. Normalement, il y en a une autre là qu'on avait vue. Bon, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, on s'en fout un peu. Donc, du coup, boutique. On va aller dans l'inventaire. Et normalement, voilà, on a le père de Twilight. Magnifique, les gars. Regarde, c'est pas bon ça? Le père de Twilight qui vient tranquille. Magnifique, franchement magnifique. Ah, on l'a fait venir alors. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon, du coup, hop. Alors, comment s'est passé ton voyage? Tu m'as rapporté quelque chose. Alors, attention, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Twilight m'a demandé de montrer Canterlot à son père pendant qu'elle prépare le mariage. Ouais. Mmh. Joue aux ailes. Oh là 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 là, toi tu me saoules toi hein. Si si, tu me saoules. Allez hop, salut. Non c'est bon, on m'a saoulé. Avec leurs ailes de mes deux là. Avec leur vieux truc. Voilà. Récupère des fragments. Oh pas de soucis, c'est gratuit mon petit. Y'a pas de soucis, on va les récupérer tes fragments. Enfin en espérant qu'on les ait assez facilement. Ouais. Je sais pas, bon. Sinon, il y a quoi d'autre? Alors, Twilight m'a à nouveau demandé de m'occuper de son père. Fais en sorte que... Enculé. Eh, hey, mais il y a tout le monde qui doit avoir 5 étoiles, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Fais voir un peu... Vas-y, fais pas chier. Merci. Fais voir un peu pour où on en est, là. Ouais. Putain, il reste quand même pas mal de poney à mettre à 5 étoiles. Dont le père de Twilight, ouais. Il me reste combien de poney à avoir? Eh, hey, on peut pas l'acheter, celle-là? Ah mais oui, mais non, on l'a pas encore, oui. Ok, donc elle, on l'a déjà. Et puis il manque 3 poneys en fait. Donc 3 poneys que je peux acheter. Enfin, que je peux acheter. Que je peux gagner qu'en faisant les trucs de musique. Donc encore une fois, il faudra que je fasse les trucs de musique. Pour les avoir, donc du... Ah ouais, d'accord, je me disais, merde, putain, il me reste que 3 gemmes, il s'est passé quoi. Mais c'est normal. Ok, donc ça, c'est fait. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut celle-là... Est-ce qu'on peut le faire quand on est à Canterlot? Enfin, à Ponyville, je veux dire. Justement, quand on est à Ponyville, est-ce qu'on peut le faire? Oh putain, il reste plus rien à faire, quoi. Non. Plus rien à faire. Génial, bon. Bah, du coup, on peut pas le faire ici. Parce que ici, on a blindé de trucs. Et donc, du coup, de fragments qui va avec. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Pour l'autre mission, c'est dommage. Non, mais franchement, c'est dommage. C'est très dommage, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu les poneys que j'ai gagnés. Donc déjà les deux poneys que j'ai gagnés en jouant. Et
l'autre poney. Attendez, hop. Voilà, et donc j'ai gagné deux poneys comme ça en jouant. Et puis voilà. Ah putain, j'ai même pas assez du coup pour acheter elle. Ah, dommage, dommage. Bon, bah c'est dommage, franchement, à pas beaucoup près. C'est dommage. Mais du coup, il me reste que 40 à avoir et c'est bon. C'est pratique ça. Enfin, si je la gagne pas avant, parce que c'est fort possible. Vu tous les poneys qu'on gagne en faisant de la danse et tout, laisse tomber quoi. Vous avez vu un peu? Si je me rappelle bien, j'ai dû gagner lui et lui juste en jouant, je crois. Et puis le reste en... Je sais plus, vraiment, je sais plus. Faudrait regarder les anciennes vidéos pour voir. Mais bon. Donc du coup. Hop, voilà. Putain, oh, on va se faire chier, dis donc, hein. Ah, twist, pas besoin de passer de maison, ça c'est cool. Voilà. Tiens, d'y aller, encore une maison, c'est parti. Allez, au max de maisons, les gars. Oh, après, on va devoir tout ranger, ça va être chiant. Enfin, je vais devoir tout ranger, ça va être chiant. Ok. Allez, encore un. Et après, c'est fini. En plus, c'est le maire, donc c'est parfait. C'est nickel. Franchement, là, on est bien. Ce qu'on va faire, bien entendu, parce que nous, on est des fous. Allez, hop, casse-toi, s'il te plaît. Allez, merci beaucoup. Hop, allez, voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer le temps. Et comme ça, au moins, les poneys seront là. Voilà, les gars, donc là, j'ai avancé le temps. Donc, du coup, maintenant, j'ai bien attendu que les poneys viennent. Et du coup, on va pouvoir leur dire bonjour, la bienvenue, quoi, si tu veux. Hop, voilà. Voilà. Et allez, voilà, nickel. Donc là, on a déjà 4 nouveaux poneys. Le cinquième et le petit sixième qui se cache juste là. Hop là. Nickel. Franchement là, on est OP. C'est moi qui vous le dis. Alors en espérant que ça fasse venir des nouvelles trucs, non? Des missions des... Non, on s'en fout. Ok, sympathique. On va voir un peu où on en est. Au niveau des poneys. Donc là, on a tout. Là, on a tout. On a tout. On a tout. La youtubeuse. Tintin. Mais bon. C'est une petite blague, bon. Donc il reste lui et elle. Ok, bah c'est tout. Et après on a tout. On en a tout. Alors, du coup, bah on peut pas faire grand chose de plus au niveau des missions. C'est ben dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Canterlot. Et peut-être que on va gagner assez d'éléments. Attention, suspense. Est-ce qu'on va avoir un élément? Putain, mais on a que dalle. Et toi là? Que dalle aussi. Oh. Et toi? Rien du tout. Ah si, là il y en a un. Est-ce que c'est suffisant? Non, il n'y en a pas un deuxième. Ah, il me semblait bien qu'elle... Ah mais non, c'était pas elle, est tombée. C'était l'autre là. Enfin, bon. Spitfire, je crois. Enfin, bon. C'était. Attention, 3, 2. Tu sais, elle a les cheveux vertes là. Cheveux vertes. Ouais, non, jaune. Orange. C'est elle là. Elle est verte et elle a les cheveux orange. Bon. Vas-y, je me vois. Voilà, donc du coup, maintenant. Bah, on lui a même pas sauté la bienvenue ici. Ouais, enfin bon. Je sais même plus ce que je fais, tu sais. Ouais, donc c'est. Non, c'est pas elle. Et je la vois pas, hein. Ça se trouve, elle est juste devant moi, tu sais. Enfin bon. Du coup, on n'a pas réussi la mission. Ah, il nous en manque un, quoi. Un seul. Ouais, je vous dis à tout de suite. C'est parti. Et c'est parti. Hop là. Voilà. Alors, est-ce que cette fois-ci, on en aura un? Attention. Je crois qu'ils se foutent de ma gueule. Ouais, je crois que... Ouais. Non, mais ouais. Ah, mais non, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Putain, j'ai cru qu'ils se foutaient de ma gueule, dis donc. Ok, donc voilà. Ça nous certainement très utile contre l'échange là. Oui, tout à fait. Je pense quand même que j'en ai assez. Hein. 179, c'est plutôt énorme. Donc voilà, alors c'est affreux, la princesse cadence, c'est en réalité Chrysalie. Non, c'est vrai? Oh putain, je le savais pas, dis donc. Oh là là, tu m'as appris un truc. Dois l'arrêter, ouais, mais avant. Okay. Alors, bah, des changes là, mais y'a pas de soucis, c'est là. Tu... Ouais. Mais pourquoi fais-tu cela? Pourquoi cherches-tu absolument à gâcher mon mariage, hein? Parce que ce n'est pas ton mariage, c'est le mien, voyons donc. Non mais attends, connasse, va. Pourquoi tu m'as enfermé dans la truc où il y a tout plein de... Tu sais, une mine avec tout plein de je sais pas quoi dedans. Enfin, c'est une mine, quoi.
Voilà. Comment as-tu fait pour t'échapper? Tu arrives trop tard de toute façon. Bah en fait, elle a, tout simplement pour s'échapper, elle a pris le bouquet, elle l'a balancé, et du coup, bah, les demoiselles d'honneur sont jetées dessus, et du coup, elle a pu se barrer. Si, si, je vous assure, c'est vrai. Bah voilà, donc ça c'est la changing, on a, je transforme. Du coup, Célestial va venir faire. Ouais, bah maintenant que t'as eu la folie de montrer qui tu es, et bah du coup, je vais te battre. Et seulement, bah. Et ben après, on va devoir chercher les éléments, tout ça. Alors, c'est une changeline. Elle prend l'apparence d'un poney qu'on aime, elle accroît son pouvoir. Hein, oui. Tu as raison. Mais en tant que reine des changelines, c'est à moi de trouver de la nourriture pour mes sujets. Oui, il y a plus d'amour à Philistria que dans n'importe quel autre endroit. Hein. Depuis que j'ai pris ta place, je me nourris de l'amour de Chaline Armor pour... Ouais, on s'en fout, il est sous mon emprise. Et au moment où nous parlons, mes poneys sont déjà au travail. Plus généralement est affaibli, plus son sort de protection l'est aussi. Non, je jure, c'est vrai. Je n'arrive pas à l'arrêter, elle est trop puissante. D'accord. Il n'y a pas eu un petit coup de combat là? Non, tu peux faire un truc d'action et tout? Non, non, t'as pas envie. pas assez de budget pour ça. l'amour de Shining Armor porte à cadence. Porté à cadence et encore plus fort que je ne le pensais. En l'absorbant, je suis devenue plus puissante que la princesse Célestia. Non, c'est vrai. Mais en plus, on se demande ce qu'elle fout Luna. Même pas, elle vient défendre quoi que ce soit. Non, elle s'en bat les couilles. Alors, les éléments de l'harmonie, allez tout de suite les chercher et utiliser leur pouvoir pour vaincre la reine. Vous pouvez toujours courir, je vous retrouverai, mes poneys vous arrêteront et Equestria sera à moi. Boum. On va dire, c'est qu'il y en a, dis donc. C'est ce qu'on verra. Il n'y a pas de souci. Alors, on doit faire quoi maintenant? Ah oui, justement, c'est les 4. Bon, il n'y a pas de souci, regarde. En 2 secondes chrono, ils sont battus, tes machins là. Hop là, regarde. Hop, tu cliques. Hop, tu cliques. En plus, avec les vieux petits trucs du rire là, oh, c'est tranquillou. Allez, hop là, encore une fois. Et franchement, là, GG. Franchement, GG au niveau de l'épisode. Oh là 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 là. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. On se fait plaisir. Alors, on a réussi maintenant à trouver un moyen de détrôner la reine Chrysalis. Quoi? Oh? Je rêve ou ça lui a fait mal? mais pas de soucis, regarde. Ah ouais, oh, trop de délire. Chaline Armor et la princesse Cadence ont affaibli Chrysalis. Grâce à leur amour, il ne nous reste plus qu'à utiliser les fragments d'éléments pour la bannir une bonne fois pour toutes. Bat la reine Chrysalis. Ok, pas de soucis. Attends, je la bats quand tu veux, moi. Bon, vous savez quoi? Je vais niquer un peu tous ces connards là et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Ok, donc là ça fait le deuxième coup qu'on lui met. Et apparemment à chaque fois c'est des changelins différents. Ouais, du coup on va peut-être pas battre tous les changelins à chaque fois parce que c'est très long, c'est chiant. Bon, ça va, il y en a pas beaucoup qui sont revenus, mais bon. Malgré tout, je pense que ça sert à rien. Juste, on va essayer de la taper jusqu'à qu'on ait fini quoi. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est plutôt pas mal comme délire, franchement, super bien fait. J'avoue que là je suis étonné. Ouais, franchement, c'est waouh. Arrête de rigoler, rien, je te défonce. Tiens, t'as mal, hein? Bah, tu souffres, hein? Ah, très bien. Ouais, un gemme en plus encore. Génial, bon alors. Hop, voilà, donc là maintenant c'est Fluttershy. Et puis après, ça sera. Donc il y a eu les 4. Le 5ème, c'est quoi? Je me rappelle plus. Il y a eu Pinkie Pie. Il y a eu. Rainbow Dash. Il y a eu. Rarity, il y a eu Fluttershy,
Et l'autre... Mais ils sont que 5 en fait. Ouais, ils sont que 5, ouais. Donc l'autre après c'est directement Twilight. Hein. Je sais pas, je cherche... Mais non, il y a un sixième poney, j'en suis sûr, putain. Attends, je suis en train de perdre la mémoire, là. C'est pas possible. Pinkie Pie, Rainbow Dash. Pinkie Pie, Rainbow Dash. Fluttershy, Rarity. Ah putain, ah l'autre là, la con... bah voilà, celle-là justement. Comment elle s'appelle? Rainbow Dash. Voilà, putain, dit. Oh là là, et je perds la mémoire, mon gars. Voilà, donc Rainbow Dash, et puis après, on fera Twilight, tout simplement, et ça sera terminé pour elle. Et on l'aura battue, je suppose. Ça va être pas mal. Franchement, ça va être pas mal. Ça va être délirant. Voilà. Alors. Et bah ouais, c'est magnifique. Franchement, magnifique. Allez. Hop là. Là, franchement. J'avoue que. C'est délire total. Ah, c'est moi qui te le dis. T'as encore un gemme, quoi. Ah, mais je suis content. Non, je gagne des gemmes, mon gars. C'est un truc de fou. Vas-y, hop. Et dis, mais c'est un peu long de cliquer quand même. Hein. Dis donc. Hein. Bon, la vidéo, si elle dure longtemps, vous m'en voulez pas. Hein. Mais franchement, ça vaut le coup. Merde, non. Et merde. En espérant que j'arrive à récupérer l'image, je vous ferai un ralenti, je pense. Je vous ferai sûrement un ralenti. Bon alors, c'est ce que tu penses, putain. Je sais pas à quelle heure elle va sortir la vidéo, mais le temps que je fasse tous les coupages, les ralentis... Ah, laisse tomber. Enfin, les vitesses, là, le ralenti pour ici, enfin, un truc de fou. Alors, c'est ce que tu penses, mais les éléments de l'harmonie ont rompu le sort qui envoûtait Shining Armor. Que se passe-t-il? Que font tous ces changelins ici? Bah, ils cassent les couilles. Je ne sais pas si j'aurai la force de repousser, mais si, grâce à l'autre connasse, là... Mais non, je rigole, c'est bon. Non, mais grâce à Cadence, là. La babysitter de Twilight. Mon amour t'en donnera la force, oui. Quoi? Non! C'est vrai? Voilà. Du coup, bah, tu dégages. C'est incroyable, l'amour que la princesse Cadence et Shining Armor se portent a été plus fort et a permis de repousser Chrysalis. Je crois qu'on a un mariage à célébrer. Non! C'est vrai? Oh bah dis merde! Ah, je pensais que c'était déjà fait, moi. Alors, la Chrysalis et ses changelins ont disparu. On va pouvoir reprendre notre vie comme avant. Génialissime. Non, franchement, génial. Qu'on va faire? On va le défoncer. Vas-y, viens, je te défonce. Non, je te défonce. Je croyais que t'avais disparu, là. Tu m'avais pas dit que t'avais disparu? Mais attends, mensonge, hein. Non, mais voyons. Alors... Shining Armor a été trop occupé à combattre les changelins et n'a pas eu le temps de s'installer à Canterlot. Maintenant qu'on est débarrassé, on devrait lui dire qu'il peut venir. Ah mais non, mais il était déjà là. Mais t'es handicapé, toi. Non, mais on a dû lui mettre 5 étoiles et forcément c'est qu'il était là. C'est complètement con, mon délire. Alors du coup, t'as pas autre chose à faire? La princesse Cadence a besoin d'un endroit... pour se préparer avant ce mariage, on a besoin de l'aider, voilà, donc elle est là, tranquillou, en espérant qu'on ne doit pas lui mettre 5 étoiles, mais de toute façon, elle les a déjà. Non, sérieusement, je comprends pourquoi la reine des changelins voulait être ta femme, mais comment as-tu pu convaincre que la danse, voilà. Je lui ai dit qu'elle gagnerait pas seulement un mari, mais aussi une petite sœur, machin, extraordinaire, voilà. La meilleure petite sœur au monde. Allez, on doit terminer. Non, mais j'ai lu un mot... pas du tout comme ce qui a été écrit, mais bon. Alors, préparatif du mariage. On va faire de notre mieux, princesse. Ça va être le plus beau de tous les mariages. Et puis voilà. Donc du coup, non mais à lire vite et tout, j'ai failli dire un mot. Ça n'avait rien à voir. Alors, au nom, j'ai failli oublier le gâteau. Je ferais bien de me dépêcher d'aller chercher le début de la crémaillère. Ouais. Ok. C'est gratuit. Ok, bon, nickel. Alors, le gâteau juste à temps. Maintenant, je peux enfin profiter du plus beau jour de la vie de ces deux tourtereaux. Tout à fait. Alors, chers poneys et juments, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de la vraie princesse Cadence et Shining Armor. La force de leur engagement est évidente et le pouvoir de leur amour est sans limite. Les alliances, s'il vous plaît.
J'ai dit les alliances, s'il vous plaît. Les voici, c'est bon. Casse pas les couilles. je modifie un peu le texte, hein, histoire que ce soit un peu délire. Je vous déclare maintenant mari et femmelette. C'est ta victoire autant que la leur, Twilight. On ne te croyait pas, mais tu as persévéré. Et c'est toi qui as réussi à ramener la vraie princesse Cadence parmi nous. Et oui, Twilight est une bonne... apprendre à faire confiance à son instinct, c'est une belle leçon de vie, pas vrai? Bah, c'est pas que je m'en bats les steaks, mais un petit peu quand même. Et maintenant que la fête commence, Twilight, rien de tout ça n'aurait été possible sans toi, petite sœur. Non, attends, je t'aime, Twilight. Twilight. Voilà, donc je t'aime aussi, mon SGF, donc mon super grand frère pour ceux qui connaissent pas. Voilà, et oui, non, mais attends, moi je suis un peu bon, moi. Attends, je suis un bombe. Non, ça veut rien dire, mais bon. Ça, c'est ce que j'appelle un super mariage, carrément. Attends de voir ce que j'ai préparé pour l'enterrement de 8 garçons. Non, mais tu vois, je parle un peu comme Spike. Bon, il parle pas comme ça, mais tu vois, je lui donne un air un peu débile, tu vois, comme ça au moins c'est marrant. Bon, c'est pas marrant, mais c'est fou. Ah si, t'as vu, c'est marrant, elle a rigolé. T'as vu? Non, mais attends, ouais, comme quoi, je fais des trucs marrants des fois. Non, mais attends, non, mais... En plus, ça avait les vieux rires, c'est... C'est quoi ces rires de merde, mon gars? En fait, c'était de l'ironie, tu sais. Ils ont rigolé pour moi, mais genre en mode ironie. Voilà, donc les changelants, on s'en fout. Donc toi, bah, t'as pas les 5 étoiles. Je pense qu'on va se terminer là, parce que l'épisode va durer vraiment longtemps. Putain, je sais pas combien de temps je vais le mettre à... Pff, déjà, il va mettre longtemps à être uploadé, et puis à faire le montage et tout, là. Ah, je vais grave être en retard, les gars. Mais bon, ça vaut le coup, non? Franchement. Vaut mieux être en retard et mettre une bonne vidéo comme ça, là, bien comme il faut, que de le mettre à l'heure, à la Zubloft, à plein. Bon, du coup, ce qu'on va faire, attends, on va vite fait aller visiter l'autre endroit. Et puis on va voir s'il n'y a pas une nouvelle mission, un truc. Non, rien, rien. Oh putain, eh, ça sent la fin du jeu, les gars. Ça sent la bonne odeur de la fin du jeu, les gars. Je pense que, je vais marquer comme titre, j'ai fini le game. Bon, pas le game, hein, le jeu, bien entendu, mais tu m'as compris. Eh, j'ai fini le jeu, les gars. J'ai fini le jeu, c'est magnifique. Bon, bah, je vais vous laisser sur cette fin. Voilà, donc bah, dorénavant, on va faire un peu des mini-jeux, tout ça. J'essaierai de placer, enfin, tu vois, de bien mettre les bâtiments, tout ça, tu vois, de bien les mettre pour la prochaine fois. Et puis voilà. Du coup, bah, moi, je vous dis à une prochaine. J'espère que ça vous aura plu quand même. Attends, mais truc de ouf quand même. Ah là 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 là. Ouais, moi, franchement, kiff total. C'est la première fois que sur ce jeu, je kiffe total. Ça, c'était plutôt pas mal. Donc du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Franchement, je pourrais pas faire mieux que ça. Hein. Ah, c'est pas possible. Ah putain, je suis content. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao. Moi, j'ai grave faim, j'ai la dalle. Il faut que j'aille bouffer. Allez, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Enfin, on a fini le game. C'est ça qui est bon, hein. Oui, enfin, le game est à nous, on l'a fini et c'est ça qui est bon. Eh les gars, on a fini le game et tout? Ah, c'est ça qui est bon? Mais je rêve? On a fini le game? Mais je rêve? On a fini le game? Mais c'est de la bon? On a fini le jeu, mon gars. Eh ouais! Mais c'est de la balle? Ah, mais carrément!